Restez sur vos gardes, il y en aura d'autres. Je crois pas que ce soit fini. D'observateur. Thank you.
crois pas que ce soit fini. Cette interface a l'air plus compliquée que les autres. Voyons ça. Il doit bien y avoir un indice quelque part. On les a tous eus.
doit être ce qui permet d'activer le laboureur. Ok. Bon. Est-ce que j'en touche mieux ou pas?
Plusieurs mécanismes s'actionnent. Le laboureur reliquat est actif. D'ici quelques années, la production d'hélium 3 va grandement augmenter. Transmets la bonne nouvelle à Tan. On a du carburant. Retournons à la surface. Exposition aux radiations extérieures vous serait fatale, pionnière. Il est fortement déconseillé de sortir du nomade. Je crois que je dois m'excuser, Vetra. Maintenant. Ouais, c'est que j'avais une grande sœur. On avait 500 ans d'écart. J'étais à peine née qu'elle était déjà matriarche. Autrement dit, j'ai eu deux mères. Et ensemble, elles ont essayé de bien m'élever. Sid et moi, on n'avait pas de parents. Il fallait bien que quelqu'un assume les responsabilités. Je comprends. C'est pour ça que je voulais m'excuser. Arrêtez votre numéro. Ok, laissez tomber. On décolle. Prochaine destination, pionnière. Ryder, Vetra voulait que vous passiez la voir quand vous aurez une minute. Hé, hey, je peux vous voir à l'infirmerie. Groupe d'assaut prêt pour le déploiement.
Bordel, Sid. Ça ne va pas? Je me mets quelques personnes influentes dans la poche, et ma sœur gâche tout en utilisant mon nom pour gratter des faveurs. Vous saviez qu'elle a fait sortir de la réserve le génome de... C'était quoi déjà? Des chats? D'une, on n'a rien pour les accueillir pour l'instant. Et de deux, apparemment, on ne peut même pas les manger. Alors pourquoi? Beaucoup de gens aiment les chats. Ils sont amusants. On ne peut pas se permettre de faire passer nos loisirs avant nos besoins. Elle ne réfléchit pas une minute. Elle veut aider tout le monde, et tant pis pour les conséquences. Elle est complètement emballée par ce qu'on fait, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il en coûte. C'est plutôt normal qu'elle soit emballée, non? On offre aux gens une vie meilleure. À vous entendre, ça a l'air merveilleux. Mais on voit des trucs vraiment merdiques. Et ça ne nous arrête pas pour autant, parce que ce qu'on fait, c'est important. Oui, c'est sûr. Même dans les pires journées, savoir qu'on peut changer les choses. Changer les choses, c'est tout ce que Sid cherche à faire, je pense. Et si elle s'attire encore des ennuis? Et s'il lui arrive du mal? Je serai là pour vous deux, quoi qu'il arrive. Sid compte pour vous, donc elle compte pour moi aussi. Ryder, je ne sais pas quoi dire. Pas la peine de dire quoi que ce soit. Je ferai mieux de vous laisser travailler. Groupe d'assaut prêt pour le déploiement. Ryder? Je vous laisse Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ah, te voilà. Ça donne envie d'avoir une queue pour se suspendre la tête en bas. Mais c'est peut-être que moi. Ouais. Je peux vous aider?
Alors, l'autre. Voilà, les quêtes. Vous écoutez SIH, branche indépendante de l'île. Merde, je suis jamais passé par là. Sam, y a quelqu'un dans le coin ? Négatif, pionnière. Aucun membre du personnel dans les environs. Il y a un angle mort près de vous, pionnière. Comment ça ? Il y a une zone de la pièce que je ne vois pas, si je puis. Attends, c'est bien ce que je pense ? Ce modèle réduit a disparu de l'inventaire il y a 6 mois. Pionnière, allez-vous remettre la boîte à sa place ? Qui trouve, garde. Des interférences perturbent le scanner. Vous allez devoir utiliser des techniques moins élaborées pour fouiller ces quartiers. Kesh, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. On a stabilisé les systèmes pour l'instant. Mais on va devoir rediriger l'alimentation d'ici peu. Sinon, on risque de perdre des modules de stase. Le datapad est verrouillé par un mot de passe. Dois-je le déchiffrer ? On prend le risque. Vas-y. Accès au registre audio. Lance le premier. Dan commence à s'entendre un peu trop bien avec la remplaçante de Vetra. J'ai intérêt à faire quelque chose. Lance le deuxième. Rappelez à Addison que les Krogan sont tous partis. Entretenir sa frustration. Lance le troisième. Gardez mes distances avec ce crétin qui dirige la première colonie. S'il soupçonnait que je cherche des ennuis avec Addison, il pourrait me causer de gros problèmes. Merci, Sam. Compte rendu de réunion pour Monsieur Tan. Les techniciens ont encore une fois demandé des ressources que nous n'avons pas. Notamment la réparation de systèmes secondaires. Je commence à douter des compétences de Kesh en matière d'organisation. Comment monter en grade et la route accélérée de la promotion.
Des composants de recycleurs, des accumulateurs, des aliments déshydratés. Je scanne les étiquettes. Une grande partie de ces boîtes ont été signalées disparues. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous devriez peut-être regarder sous le mobilier ou derrière, pionnière. Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas scanner ce que vous tenez, pionnière. Comme si un brouilleur m'en empêchait. On va avoir besoin d'un expert en transmission. D'un bar sur le Nexus. Les visiteurs voient dans le vortex un signe de civilité qui pourrait se détériorer à mesure que les résidents se réveillent la gorge sèche. Vous êtes sur SIH. Pionnière, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vais vous demander quelque chose, et il va falloir sourire et faire comme si de rien n'était. Souriant et l'air de rien, compris. J'ai trouvé ça, quelque part sur la station. Je veux savoir à quoi ça sert exactement. Bien sûr, je peux... Eh, mais c'est un brouilleur ! C'est illégal, ce truc ! Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je préfère me taire pour l'instant. Vous le saurez en temps voulu. Ou une fois que j'aurai piraté ce brouilleur. Vous pouvez prouver qui s'en est servi, avec certitude ? Bien sûr. On pourrait pirater n'importe quelle barrière de sécurité avec ces machins. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont interdits. Pardon. Souriant, l'air de rien. Prévenez-moi quand ce sera fait. Comptez sur moi. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnière. Oui, pionnière. La production d'oxygène est bonne. Il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de stase. Son nom et sa désignation, si vous la connaissez. C'est tout ? Vous allez le faire comme ça ? Ma fiche de poste ne contient nulle part la mention « Contester les décisions de la pionnière ». Par contre, je note toutes les interactions. Si votre demande crée des problèmes, vous en serez sans aucun doute tenu responsable. Que ça reste entre nous. Voici les informations. Le déploiement commencera bientôt. Il vous fallait autre chose, pionnière. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'initiative ? Consultez l'interface. Et votre... Vos progrès me ravissent. Rendez mon travail obsolète, pionnière. Je... Affaires coloniales. Merci d'informer Monsieur Tan de votre situation.
exilés du Nexus trouvent une terre d'accueil tandis que d'anciens membres de la sécurité sont impliqués dans la mutinerie. Une enquête a révélé que le chef de la sécurité du Nexus, Sloane Kelly, a joué un rôle dans la révolte qui a fait des dizaines de victimes. Les autorités de l'initiative ont retrouvé la trace des exilés, y compris Kelly, sur Kada. Une planète désertique du système Govorkam. Le directeur de l'initiative, Jaruntan, n'a pas mâché ses mots quand la nouvelle a été rendue. SIH, branche indépendante. Pionnière, Drac veut vous voir. Pionnière, c'était un peu bizarre la dernière fois qu'on s'est vu. Je suis désolé. Vous êtes la première personne à qui j'ai parlé de tout ça. Ça m'a fait du bien. C'est mon rôle d'être là pour mon équipe, Liam. Vous avez fait bien plus qu'être là, Pionnière. Je vous suis vraiment... Bref, ça m'a fait penser qu'on devrait se balader un peu plus, en dehors du vaisseau. J'ai des contacts et deux ou trois trucs que j'aimerais vous montrer. Mais surtout, je serais pas contre une petite excursion. Je crois que j'ai besoin de faire quelque chose de normal. J'ai une copie de la cinémathèque du Nexus. Merci, je vais y jeter un œil. Espérons que je trouve mon bonheur parmi cette foule d'holo éducatifs sur l'agriculture. Je vous tiens au courant.
Kovorkam était une sorte de héros Krogan, non? Un héros? Un vénard idiot, oui. Ils ont peut-être donné son nom à ce système à cause de la nébuleuse. Cette partie-là, on dirait un Krogan. Je ne... Ah oui, je le vois. En orbite autour de Kadara. Vous gardez le tempête ? Non, le nomade. Il n'est pas passé inaperçu quand on l'a débarqué, et il est plus facile à transporter. Je me suis dit que c'était plus prudent. Pour le moment, il n'y a eu que 3 tentatives de vol et une offre d'achat. À combien s'élevait l'offre ? C'est juste pour connaître la valeur de mon véhicule. On a abandonné les négociations quand il m'a demandé si j'étais livrée avec la voiture. Bizarre, il n'a pas aimé que je pointe mon arme entre ses deux yeux. Vous avez déjà eu affaire au Kert, non? Difficile de parcours. En effet, et alors? Sloan a massacré tous les Kert de cet endroit quand elle en a pris le contrôle. Avec de nombreuses exécutions publiques pour que tout le monde sache qu'il n'y avait plus de Kert sur Kadara. Mais certains disent qu'il reste quelques éléments isolés dans les Badlands. Si c'est vrai, il faut s'en débarrasser. C'est peut-être la faune locale. Admettre, mais vous... Vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais c'est en... Vous avez vu les décorations dehors. C'est terminé? Charlatan. N'est qu'une chimère. Tu as... Alors, ce pistolet? Impeccable. J'attends une nouvelle... Apparemment, une bonne moitié des gens que je connaissais et qui sont partis après la révolte ont fini ici.
Tant mieux pour eux, tant mieux pour moi. Et tant mieux pour le Nexus. Vous n'avez rien entendu. Motus et bouche cousue. Merci. J'essaie aussi de vous protéger. Si les dirigeants apprennent que vous êtes au courant de mes activités, vous avez déjà fort à faire. Je ne veux pas leur donner des raisons de vous mettre... Merci beaucoup. Bon, je vous laisse. Je sais que c'est douloureux, mais... Ma peau me brûle. Ça va passer. Je suis désolé. Vous m'avez menti, docteur. Quoi ? Arrêtez votre petit jeu. Le docteur Farrent m'a tout dit. Arena n'est pas docteur, c'est l'une des revendeuses de Sloane. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Que vous aviez mis au point l'Oblivion ensemble. Que le but avait toujours été de créer une drogue. Et vous avez cru son histoire ? Elle s'est montrée très convaincante. Plus que moi, visiblement. La formule doit déjà être loin maintenant. On ne la retrouvera jamais. Sloane l'aurait tué si j'avais pris la formule. C'était trop risqué. Sloane ne tue pas ses propres agents. Elle a quand même des principes. Je n'aurais jamais dû vous laisser vous emmêler. Allez-vous-en. Cette eau est extrêmement toxique, pionnière. Restez ici est fortement déconseillé.
J'ai trouvé votre géomètre. Il s'est cassé le cou en récupérant des échantillons de barite. C'est dur de trouver de bons géomètres. J'espère que vous avez récupéré les échantillons. Tenez. Merveilleux. Voilà vos crédits. Vous les avez bien mérités. Ryder, vous tombez à pic. J'ai même pas besoin de vous chercher. Quelque chose ne va pas? Est-ce qu'il y a eu d'autres meurtres? Rien de si grave. J'ai juste un... une concurrente, Zia Cordier, a intercepté une cargaison que j'acheminais pour un... Et vous voulez que je vous aide à la récupérer? On a formé une bonne équipe contre les Roekar. Je me suis dit que ça vous brancherait peut-être. Comment cette concurrente a pu mettre la main sur votre cargaison? Sa technique habituelle. Elle a saoulé mon intermédiaire et vous... Ça sent le vécu. Allons. Je ne dépasse jamais les 3 verres pendant le service. Ok. Marché conclu. Quand elle passe, on va commencer par là. Ah ouais, pardon. Profitez bien. Connasse! Pionnière, il s'agit de l'homme que l'initiative a qualifié de traître. Son ami est à la recherche d'éléments prouvant qu'il est parti contre son gré. Transmets l'enregistrement à Tan. Le moins qu'on puisse faire, c'est laver son nom. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais il faut voir le bon côté des choses. Au moins, on découvre une nouvelle galaxie. Combien de gens peuvent en dire autant? Bien dit. Pionnière, mes capteurs détectent un échantillon de plantes d'Andromède dans les environs. Ah.
Bonjour. Erreur. Cette interaction extrapolation approfondie du sujet en cours. Rapport enregistré. Qu'est-ce qui se passe ici? La neutralisation des... Qui êtes-vous? Est-ce que c'est votre datapad? Vous êtes avec eux? Du calme. Je sais pas ce qui se passe et j'en fais pas partie. On verra. Les gens débitent toutes ces conneries comme des cinglés. Je sais plus comment ça... Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout le monde perd la boule. Et il y avait ces gens... Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens? Si je le savais, je ne vous le... J'ai entendu l'un d'entre eux dire « On a laissé le datapad. Je vais bien maintenant. À la prochaine. » La neutralisation des moyens de représailles est une approche stratégique qui consiste à détruire le commandant et les forces de l'ennemi. Extrapolation approfondie du sujet en cours. Lorsqu'un produit est algébrique, il constitue la somme des entrées correspondantes des deux éléments. Avec la même interaction. Le produit scalaire est une opération. Ou algébrique. Un exercice complémentaire sera nécessaire. Le retraitisme se rapporte à... L'abandon ou le rejet des objectifs et valeurs sociales. Bonjour, erreur. Cette interaction n'est pas comprise. Rapport... Son activité cérébrale est relativement normale, mais je détecte des signes de stress très élevés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Rien dans l'immédiat, mais si vous en scannez d'autres, je parviendrai peut-être à détecter la source du signal. Cette personne présente des signes de la même interférence extérieure. J'ai pu localiser la source du signal. J'ajoute les coordonnées à votre carte. Qu'est-ce que vous faites à ces gens? C'est une expérience. Physiquement, il ne leur a été fait aucun mal. Ils vont bien. Vous leur faites subir ça volontairement? Vous êtes cinglés? On nous a lancé de pires insultes chez nous. Avant, on travaillait pour une organisation appelée Cerberus. Jusqu'à ce que notre chef décide de consacrer notre budget à des projets vraiment dingues, comme ramener les morts à la vie. Le projet Lazare, rien de plus que du vaudou. Mais dans Andromède, on n'a pas de chef. Et ce que vous avez vu, c'est la naissance de quelque chose d'incroyable. Un réseau biologique. Un groupe d'esprits reliés les uns aux autres, connectés. On exploite la puissance de la conscience pour créer un nouveau type de super-ordinateur. Quel est le but de ces... La pureté. Andromède nous offre une seconde chance. L'humanité de... Vous parlez de... Et maintenant, on les a connectés les uns... Un peu comme l'ordinateur que vous avez dans la tête. Qu'est-ce que vous faites sur quel... Les Badlands? Pour se protéger de toutes les nouvelles menaces d'Andromède, il est... C'est marrant. J'ai rencontré une femme appelée Catherine Lagustis. Elle luttait contre le genre de choses que vous faites ici. On la connaît. Elle était impliquée dans un projet de Cerberus chez nous. Suprématie. Avec Kevin Archer et toute la clique. Une bonne idée, mais une exécution désastreuse. Ça ne sera pas le cas pour celui-ci. Ça suffit. J'ai localisé les commandes du signal. Elles permettront de mettre... On ne peut pas vous arrêter, mais ces gens... Tendent du signal, maintenant. Leur esprit en a besoin pour fonctionner. Laissez-les tranquilles. Comment on fait pour mettre fin à cette expérience, Sam ?
Je peux retourner le signal ou je peux modifier la nature du signal pour améliorer la situation des victimes et verrouiller le système contre toute modification. Ou alors, je pourrais partir d'ici sans rien faire. Ne fais rien pour le moment. Dès que vous serez parti, on changera le code. On ne tolérera aucune interférence. Phoebe, à mon tour. Quoi, vous voulez vous excuser de m'avoir agressée quand je me suis excusée de vous avoir agressée? Sans rancune. À vrai dire, je vous aime bien. Ça fait bizarre, hein? À vrai dire, je vous aime bien aussi. Vous êtes cool. Enfin, pour une grande sœur autoritaire coincée. Je rigole. C'est tout pour l'instant. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Les
zone minière ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Que mènent les coordonnées ? Un terminal ? Tout ce sang vient d'une seule vie. Il y a quelque chose ici. Nombreuses contusions au visage et au bras. Il est resté attaché pendant une longue période. Et la cause de la mort ? Les données ont presque toutes été effacées. Tu peux récupérer quelque chose ? Le son du dernier enregistrement. Voulez-vous l'écouter ? Vas-y. Si tu te dis que ça ne peut pas empirer, je t'assure que tu te trompes. L'agent Lacerta, où est-ce qu'il est ? Contrairement à vous, bande de fumiers, Sloane joue pas avec sa nourriture. Ah. Kelum, une patrouille d'insurgés a tué ce connard et efface les registres. Je vais informer le charlatan de la main. On se retrouve à la base des drones. Pionnière, nous approchons du camp de hors-la-loi indiqué par le terminal. Je détecte des explosifs. Sur la source du carburant fera exploser la navette pionnière.
C'est là, le dernier endroit où on a vu ce Johan. J'espère que Romy est à l'intérieur, et en vie. Et qu'elle n'est pas devenue cinglée comme les autres. De trouver Romy. Il manque des organes à cette victime. Oh. Je détecte des traces de chair et de sang humain. Sam, est-ce que tu veux dire qu'il mangeait des gens ? Oui, pionnière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous allez bien ? Ils allaient me manger ? Je sais. Je faisais partie d'un groupe qu'ils ont fait venir ici. Des bas-fonds. Ils disaient qu'on serait en sécurité. Il ne reste plus que moi. Vous n'avez plus rien à craindre. C'est fini. Non, c'est pas fini. Je suis toujours coincée dans les Badlands alors que j'ai payé mes frais de protection. Je sais. L'insurgé qui vous a expulsé de Port Kadara par erreur, c'est lui qui m'a envoyé ici. Est-ce qu'ils vont me laisser revenir ? Ce serait la moindre des choses. Grayson, j'ai retrouvé Romy. Venez la chercher. Vous pouvez pas savoir comme ça me soulage. Je vous envoie une navette tout de suite. Merci. Du fond du cœur. J'ai vraiment cru que j'allais...